Bonjour à tous. C'est parti pour le deuxième test de la rétrospective. Avec Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Voilà. Qui est sorti 97. 97. Donc un an après le premier. Voilà. Donc un an de développement, c'est rapide. Naughty Dog s'est agrandi entre temps. Donc nous sommes toujours RL, Gag, Hervé et Jack Chris. Voilà. Toujours aussi présent. Donc on peut regarder. Voilà. Donc là. Donc comme vous pouvez le voir directement, tout de suite, ça ressemble vachement au premier quand même. Voilà. Enfin, bah, quoique il y a quand même quelques petites améliorations. Enfin, c'est sûr, il y a des ennemis et tout, il y a plus d'animations et tout. Graphiquement, il y a une évolution, mais on voit qu'ils ont réutilisé du matériel du 1. Mais ce qui est logique à l'époque, parce que financièrement, c'était pas encore la grande boîte que c'est devenu actuellement. Oui, il y a de nouvelles animations quand on crache maintenant. Ils sont bien sympas. Donc c'est un jeu qui reprend un petit peu les bases du premier, puisque au final, vous avez retrouvé beaucoup de choses. Il y a des choses nouvelles que je vais montrer. On va dire qu'il y a quelques améliorations qui ont été faites. Il y a des niveaux qui se ressemblent un petit peu trop. Il y a beaucoup de niveaux qui se ressemblent trop. Putain, je crois même. Il n'y a pas tellement de jeux. Non, c'est pas. Sinon, ouais, voilà, enfin, au niveau de la variabilité des niveaux, il n'y a pas grand chose. La variété. Il y a des niveaux de neige qui apparaissent. Oui, il y a des nouveaux décors, tout ça, c'est vachement sympa. Mais au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu redondant. Parce que. Quand on refait, enfin. Et les niveaux se ressemblent. On va recroiser les mêmes. C'est-à-dire qu'il est un peu plus redondant que le 1, mais il y a quand même de la variété. En fait, le 1 était moins redondant grâce à sa difficulté, mais là, la difficulté se perd assez... Je pense que si, ils ont dû avoir quelques remarques, surtout des plus jeunes, par rapport à la difficulté du 1. Donc, pour moi, c'est pas forcément un défaut et qu'ils aient un peu adapté la difficulté. Après, c'est sûr que pour ceux qui avaient aimé le challenge du 1, c'est plus tout à fait ça, ouais. Et il faut montrer qu'il y a un nouveau mouvement. Il y a de nouvelles attaques. Par exemple, avant, Crash était limité par cette attaque-là, qu'on pouvait faire avec carré ou rond. Et maintenant, avec carré, on fait ça, et avec rond, on fait ça. Voilà. Et quand on maintient un rond, il me semble que. On reste accroupi. Ah, il y a ça aussi. Oui, il y a le super splash. Oui. Et on reste accroupi. Voilà. Et il montre aussi le super splash. C'est X carré, il me semble. Je sais plus. Ah non, c'est dans 3 qu'il est ajouté en fait. Il l'a fait tout à l'heure. Ah ouais, voilà. Bon. Donc il y a quelques nouvelles animations. C'est dans le 3 qui est amélioré. Voilà. Mais c'est surtout l'animation de. Et donc pour s'accroupir qui est utile. Ça manquait peut-être un petit peu dans. C'est assez bien utilisé. Nouveaux ajouts de gameplay. Il y a des nouveaux ennemis qui demandent un petit peu plus de dextérité. Oui, parce que. Ah, il faut m'en parler de ça, ça c'est nouveau. Ah, il y a eu un jeu, il bug là quand même. C'est nouveau, ça c'est les caisses. Point d'exclamation. Pour ceux qui veulent regarder, il y avait eu un joli bug où Crash était derrière la caisse à moitié dans le sol. Donc c'était pas... Mais c'était des jeux quand même qui n'étaient pas si buggés que ça quand même. Non, c'est vrai que celui-là il est presque vierge de bug. C'est quand même pas mal. Et donc ces caisses, elles servent à quoi les caisses avec les points d'exclamation? Il y aura des caisses invisibles dans le jeu. Et ça les fait apparaître. Voilà, ça les fait apparaître. D'accord. Enfin, ça les fait pas... En fait, on voit leurs contours quand elles sont invisibles. Mais on ne pourra pas les. On passe à travers. Et donc là, la caisse d'interrogation, d'exclamation, permet de. Ah oui. Ouais, de les faire apparaître. Et donc ça fait partie de. Pourtant, le jeu est beaucoup plus facile que le premier. Ça passe mal, pour dire ça. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que je pense que. Enfin, il faut dire qu'ils l'ont développé qu'en une seule année. Parce que le premier a rencontré un succès que Sony n'attendait pas forcément. D'ailleurs, le jeu est développé par Universal. Édité, pardon. Bien que c'est édité par Universal, mais c'est Sony qui a aussi participé au financement du projet. Donc, de toute façon, c'est Sony au final. C'est Sony qui commençait déjà à s'approprier le jeu, la franchise. Naughty Dog, ils en restent. On peut voir les cassettes visibles, tu vois. Il n'en reste pas forcément les maîtres, comme on le verra plus tard, mais. Les niveaux bonus sont quand même beaucoup plus accessibles. Oui, sachant qu'on peut les refaire indéfiniment. Quoi. Voilà une nouvelle caisse comme ça là qui sont entourées de métal, de bordures métalliques, c'est justement pour forcer à utiliser le super splash. Je voudrais aussi parler du système de sauvegarde qui est quand même un petit peu plus. Bon, c'est pas.
Alors ça, c'est la grande frustration qu'on voit toutes les pommes qui jaillissent comme ça, qu'on a gagné qui... et que nous perdons. Non, mais voilà, je voulais parler du système de sauvegarde aussi qui est quand même beaucoup plus accessible. En fait, tu déconfines un niveau, alors tu me rends une salle quand même. Retourne à la salle. On va montrer un autre niveau. Non, parce qu'en fait, le système de sauvegarde, en fait, ça va être. Dans le premier, c'était il fallait terminer un niveau bonus pour avoir accès éventuellement à la sauvegarde si c'est le bon niveau bonus. Et donc là, c'est. Là, vous allez atterrir dans une warp room. Vous avez 5 niveaux par niveau. Donc là, vous avez le truc load, save. Et vous avez. Voilà, vous avez. Vous pouvez sauvegarder quand vous voulez, en fait. Ça, c'est vraiment pratique, quoi, parce que. Ça permet vraiment d'abandonner. De manière générale. De manière générale, ils ont rendu le jeu plus accessible. Donc en fait, là, on va pouvoir accéder à différents niveaux de la Warp Room. Et donc. Il y en a 5 aussi. Donc il y a 25 niveaux. Il y a des boss à chaque. Ça reste un bon nombre quand même. Ouais. Sachant qu'il y a aussi des gemmes à récupérer. Là, le niveau, sur le moment, c'est court et le jeu se finit très très rapidement. Moi, je l'ai fini en 5 heures. Vince 4x4, on a commencé le jeu une soirée et puis après, on l'a fini assez rapidement. Voilà, apparition d'un nouveau personnage qui va devenir assez connu dans la série, c'est Polar. Ouais. Le petit ours. Surtout grâce à Crash. Mais il ne revient pas dans le 3. Il sera là dans Crash. Voilà, surtout grâce à Crash aussi. Donc, sinon, voilà, niveau système de sauvegarde, une durée de vie un petit peu moins. Moins, mais à bon, cause de ce système de sauvegarde. Voilà. Bah, non, mais même les niveaux sont courts et puis. Les niveaux sont assez courts. Hein. Et on en vient vite à bout. Bon, après, je pense que ce serait redondant plus long. Parce que, normalement, on arrive à la fin, mais on se dit, bon, voilà, c'est la fin. On n'a pas, de sentiment d'inachevé, je sais pas. En vrai, c'est dommage que ce soit si court. Bon, le jeu, moi, je l'ai trouvé. Ah, qu'est-ce que TNT. J'ai pas capté qu'elle c'était une moi, le jeu, j'ai trouvé moins bon que le premier, et du coup, au final, j'ai trouvé moins prenant. Elle est moins variée, en fait. La nouvelle caisse, c'est les caisses de Nitro, là. Dès qu'on les touche, on explose. Oui, c'est une nouveauté de ce jeu-là. Nouvelle nouveauté. Voilà. J'aime bien, c'est chez nous. Non, mais. Ouais. Bah, à part ça, oui. Des améliorations techniques, mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay lui-même, à part quelques mouvements qu'on vous a montré, ça le jeu aurait peut-être mérité un peu plus de temps de développement pour. En fait, le jeu verra sa longueur surtout dans la rejouabilité. En fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut refaire les niveaux pour gagner les gemmes, enfin. Oui, voilà. Il y a une bonne rejouabilité. Il y a aussi des niveaux bonus aussi qu'on peut accéder via certains niveaux. Ouais, ils sont cachés. Ils sont vraiment cachés. Il faut chercher. Quoi. Comme ça, on vous montre à peu près toutes les animations de mort qu'il y a dans le jeu. Pourtant, il est plus facile que le premier. Hein. Oui. C'est juste que là, je barre en même temps et c'est vachement chaud. Non, mais voilà, vous avez droit à des niveaux bonus qu'on peut accéder. On dit qu'il est plus facile, mais ça reste un. Oui, voilà, ça. Vous avez des niveaux bonus auxquels on peut accéder via, enfin, faut faire certains trucs un petit peu, faut vraiment les trouver, quoi. Donc, merci Google. Non, c'est pas ça. C'est pas on peut montrer un peu ça. Ouais, bon. Si pas. Et donc, voilà, vous avez des niveaux bonus qui permettent de rajouter une petite durée de vie quand même, c'est sympa. C'est ça que tu montres. Ah ouais. Ça aussi on peut montrer. Donc voilà, vraiment vous retrouvez même les structures des niveaux du premier. Voilà les toutes les. Alors, par exemple, on peut voir ce qui est bien, c'est qu'il y a les nouvelles animations de Crash qui sont là, il regarde derrière, oh mon dieu, j'ai peur, tout ça, c'est vachement. Et puis Crash est plus beau. Oui, faut le signaler. Le design, ils l'ont un peu amélioré, c'est vrai que dans le 1 il avait un visage un peu difforme. Ouais. Alors que là dans le 2, il est déjà. Ils ont un peu rattrapé le design qui va être conservé pour la suite. C'est pas plus mal. Ouais. Il est plus expressif. Celui-là n'a pas été développé dans un garage. D'ailleurs, on peut retourner en arrière. Celui-là, non. Alors, par exemple, pour les niveaux bonus, comme tu disais, on peut retourner en arrière là pour accéder à plein des zones et tout, mais bon, là, on peut le faire. Surtout que j'ai jamais fait. Non, mais le jeu est vraiment complet. Et ouais, il est complet surtout pour la jouabilité. Non, mais ça reste un très bon jeu de plateforme. C'est un pur jeu de plateforme. Avec des pièges à la con. Alors oui, sinon, autre nouveauté de gameplay. Jetpack, bah oui, évidemment. Mais bon, le jetpack ça, on va le montrer. Par contre, il est pas très facile à contrôler, ça. C'est sur ce niveau-là. Non, c'est cet étage. Et qu'est-ce que tu voulais dire au niveau des checkpoints? Oui, rien. Bah rien, il me semble.
Non, moi ce que je voulais dire c'était par rapport au scénario, il y a un scénario, contrairement au premier. Non, mais c'est en haut, je te dis. C'est en haut, je te. Non. Si. C'est dans l'espace. C'est tout en haut. C'est tout en haut. C'est le dernier niveau. Le dernier étage. Bah oui, c'est le dernier étage. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de la variabilité dans la voie. J'ai pas envie d'être trop. Non, mais c'est sinon. Tu vois, t'as qu'à t'accepter. Ok. Non, mais sinon voilà, le jeu franchement il est vraiment complet, il y a des boss à chaque étage Juste pour les scénarios, quand même, c'est Cortex, le méchant du premier, qui appelle Crash et qui lui dit j'ai besoin de ton aide, il y a un méchant qui passe. Non, c'est pas celui-là. Attends, c'est pas grave, il y en a d'autres. Mais donc il va dire bah, Crash, j'ai besoin de ton aide. Il va utiliser Crash pour récupérer des cristaux de pouvoir. Voilà. Et donc en fait le jeu est censé faire croire que Cortex est un gentil, mais le jeu s'appelle Cortex Strikes Back. Hein. Oui. Donc, en gros, c'est pas terrible. Hein. Bon. Tant que Cortex devenir gentil, c'est difficilement concevable. Il aurait pu trouver plus méchant que lui, mais. Sûr. Alors, le Jackpot, ils s'en fait vachement la promotion autour du Jackpot quand même. Ouais. Une grande nouveauté. Alors que pourtant, il est assez chaud à contrôler. Hein. Genre, pour avancer, vous allez devoir appuyer sur croix. Et pour reculer, vous allez appuyer sur rond. Et en fait, au final. C'est pas très intuitif. Voilà, c'est. Enfin, genre. En plus, il y aura plein de murs invisibles qui vont vous pourrir la vie. Vous allez avoir du mal à retourner en arrière pour avoir cette putain de caisse là, genre. Non, mais. Bon, ça reste sympa, mais enfin, moi, ça m'a vraiment plus mis. Bon ben voilà, si vous cherchez du challenge, ça sera surtout du côté du jetpack. Hein. Surtout du côté des bugs. Et puis voilà, en soi, non, franchement, en soi, le jeu est bon. Le jeu est bon, mais. Même s'il est un petit peu répétitif et. Les musiques sont toujours. Les musiques sont. Toujours sympathiques, toujours entraînantes. Ouais, avec le thème et tout. C'est pas du tout musique, c'est mais j'aime marier. Alors voilà, on a Cortex avec sa. Sa sale face, voilà. Donc on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, on a plus séparé. Moi je trouve moins bon parce que moins complet que les autres. Enfin, il est peut-être pas si moins complet, varié. Ouais. Au bout d'un moment, les niveaux commencent à être recyclés, c'est dommage. Ouais, c'est peut-être moins de nouveauté, mais c'est. Je veux dire, pour les fans, je pense que ça reste un jeu intéressant. C'est et, sûr. Voilà. Il est bon, hein, mais. Ouais, ouais, faut. C'est moins marquant la scène. Okay, on peut s'arrêter là. Bon, après, c'est. Oh, excusez-moi pour tous ces fails, pourtant j'ai fini le jeu. C'est pas. Et je l'ai fini il y a même pas une semaine. En tout cas, voilà, on vous conseille de l'acheter. Hein, comme le 1, il est disponible sur le PlayStation Store. C'est plus longtemps. Oui, pour 5€, donc c'est vraiment pas cher. Et il y a, enfin, niveau durée de vie, il y a une dizaine d'heures, douzaine d'heures, plus. 5 heures pour finir le jeu. Hein. Oh non. Après, on refait pour choper les gemmes. Non, vraiment, c'est toujours très sérieux. J'ai pas passé beaucoup de temps, je l'ai fait. Ouais. Et après, c'est pour finir le jeu. Et bon, après, c'est pas l'intérêt premier du jeu. Là, oui, oui, c'est sûr. Le jeu, le premier intérêt, c'est de faire le niveau la première fois et puis. Enfin, bref. Ça reste un jeu de qualité, hein. Faut qu'on en dise. Donc on lui met combien? Moi je lui mettrais un point de moins que le premier. Ah, peut-être un 15. Un 15. Non, on a mis 17 au premier, mais c'est assez. Après, enfin. On a mis 17 au premier? Je sais plus. Je crois qu'on a mis 16 au premier. 16, 17, 17. C'est aussi une question de goût selon les fans. Il y en a qui le trouveront meilleur, d'autres qui le trouveront moins bon. Ouais, voilà. Donc. Franchement, c'est sûr. C'est notre avis. Voilà. C'est un jeu très intéressant, il faut pas le louper non plus. C'est sûr, faut pas passer à côté. Hein. Même si les autres sont bons. Donc voilà, donc à mercredi prochain pour un Crash Bandicoot. Voilà. Et oui, car après 2, il y a 3. Eh oui. Ça, c'est une. J'espère que vous aurez allez, enrichi votre culture. Ciao. Et voilà. C'est bien comme fin, ça. C'est magnifique.